Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Suffisamment de preuves pour inculper l'ancien chef d'État de complicité d'assassinat, d'attentat à la sûreté de l'État et de recel de cadavres. Mais Blaise Compaoré n'est pas le seul mis en accusation. Au total, ils sont 14, certains étant décédés depuis. Et parmi ces inculpés, on retrouve l'ancien bras droit de Blaise Compaoré, le général Gilbert Diendéré, incarcéré dans le cadre du putsch manqué de 2015. On retrouve également Hyacinthe Cafando, qui est considéré comme le chef présumé du commando ayant assassiné Thomas Sankara. Après des années d'enquête et de procédure et 34 ans après la mort de Thomas Sankara, il y aura donc un procès. On ne connaît pas encore la date, mais ce procès pourrait se tenir prochainement, ont précisé ce mardi les avocats, mais se tenir sans la présence de Blaise Compaoré, exilé en Côte d'Ivoire. Ayant obtenu la nationalité ivoirienne, il ne peut être extradé et devrait donc être jugé par contumace. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Ben aujourd'hui, on va vous parler de Thomas Sankara. Avant de parler de cet homme, on va vous expliquer qui il est ou qui il était exactement. Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Fini les Mercedes, aujourd'hui les ministres roulent en R5 et sans chauffeur. Il n'est pas normal qu'ici, à plus de 90% d'agriculteurs, de cultivateurs, de paysans, nous ne soyons pas encore en mesure de nous autosuffire. Vous vous sentez isolé en Afrique ? Mal compris en tout cas. Mal compris, mal aimé ? Mal aimé. Oui. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. La justice burkinabé aura donc accès à tous les documents qui concernent l'affaire Sankara. Thomas Sankara était le président le plus jeune de l'Afrique. À seulement 33 ans, c'était un président avant-gardiste. À l'époque, le Burkina Faso était appelé la Haute-Volta. Pour lui, ça signifiait rien.
et il a nommé ce pays Burkina Faso, qui veut dire les hommes intègres. Arrivé très fraîchement au pouvoir, Thomas Sankara réduit les salaires du ministre et son propre salaire, ce qui n'était impossible de nos jours et dans le passé. Dans des pays tels que l'Afrique, être dans la politique, ils pensent que c'est vraiment une opportunité pour se mettre plein les poches. Comme à Kinshasa, être pasteur, c'est directement se mettre plein les poches. Or qu'il y a plein d'autres opportunités. Ne pas penser à son peuple, juste à soi-même. Être égoïste, à son ego. S'offrir des grandes bagnoles, des grandes maisons, s'afficher partout comme quoi on est plein aux as. Ça, c'est désolément vrai, c'est l'homme africain. Thomas Sankara, lui, par contre, réduit déjà son salaire propre. D'abord, il pensait d'abord au peuple, au bien commun, pas à sa propre richesse. Ce qui est rare de nos jours, aujourd'hui dans le monde et en Afrique. Thomas Sankara réduit les dépenses du gouvernement. Se trimballer en bagnole comme Mercedes, Cadillac ou quoi que ce soit, c'était pas possible. Les ministres venaient en voiture, en Renault 5 à l'époque, des voitures pas du tout chères. Et c'était du jamais vu dans un gouvernement. C'était un homme intègre et visionnaire. Malgré son jeune âge, son engagement politique n'est pas récent. En 1980, il est secrétaire d'État à l'information sous l'avant-dernier régime avant de démissionner. Puis participant au coup d'État du dernier président, le commandant médecin Jean-Baptiste Ouédraogo, il devient Premier ministre, est arrêté, libéré et fait le coup d'État. Sitôt au pouvoir, il veut galvaniser les foules en utilisant un langage où le slogan incantatoire tente de faire passer les mots d'ordre. Chacun doit se convaincre que c'est un changement révolutionnaire. Mercredi, jour de réunion du Conseil des ministres. Ceux-ci s'y rendent dans leur nouveau véhicule de fonction. En effet, là aussi, pour montrer qu'on veut rompre avec d'anciennes habitudes, d'anciens privilèges, les Mercedes, symbole du pouvoir utilisé par les précédents régimes, ont été remplacés par des R5. Il s'agit de frapper par des mesures spectaculaires. Le président a même décidé de faire de la Cadillac décapotable de son prédécesseur l'objet d'une tombola nationale. Ainsi, celui qui l'aura gagné pourra-t-il l'utiliser sans être soupçonné d'enrichissement illicite. Il encourage tous ses ministres à rouler dans des voitures abordables, des Renault 5. Vous voyez les petites voitures là, des espèces de carton. C'est ce qui pourrait jamais exister ici, de nos jours. De nous à vous, à quoi bon de vivre avec tout plein de blé? Et de toute façon, on va mourir. On va laisser tout ça ici. Qu'est-ce qui va rester? Au lieu de faire un bien commun, que tu puisses mourir tranquillement en paix, que de saccager tout et mourir comme un moustique. Le tout, c'est de penser au bien commun, que son propre bien, c'est-à-dire s'enrichir, regarder les autres qui souffrent, qui meurent de soif dans un continent aussi riche, qui meurent de faim, qui n'ont jamais rien. Et c'est aller, par exemple, si un président africain est malade, va se faire soigner en Europe, or qu'il peut bien construire plein des hôpitaux bien plus sophistiqués dans son continent ou dans son pays. Le problème chez l'Africain, c'est qu'il aime trop l'argent. Trop montrer qu'il a de l'argent. Même les pauvres, hein, ils n'ont rien. Même à l'église, si l'église leur dit comme quoi vous aurez de l'argent, ben l'église sera peuplée. L'Africain et l'argent, c'est des jumeaux de nos jours. L'histoire de Thomas Sankara, c'est une histoire triste. Pourquoi? Parce que Thomas Sankara avait son meilleur ami, son grand ami, qui lui disait tout. Il connaissait Thomas Sankara par cœur et il s'est fait avoir par lui. Ce qui est vraiment dommage. Le problème de l'homme africain, c'est ça. Il peut te trahir en deux temps, trois mouvements, en te retournant.
Alors voilà, Sankara, c'était le président au cœur tendre, un idéaliste, un personnage étonnant, sans doute le président et le chef d'État le plus surprenant de la planète. Alors on écoute un petit morceau de Relema, un morceau de musique, car Sankara, c'était aussi un président qui dansait. Et samedi soir, il dansait avec nous à Ouagadougou pour un forum anti-apartheid et dansait avec le président Sankara, son meilleur ami, Blaise Compaoré. Le plus surprenant dans cette histoire, c'est bien entendu que ce soit son meilleur ami, Blaise Compaoré, qui ait été le responsable du coup. Et d'ailleurs, dans Le Monde dimanche, eh bien, on peut lire une interview de Sankara qui date d'il y a quelques mois déjà, où Sankara disait la chose suivante de Blaise Compaoré. Il disait, un jour, des gens sont venus me voir complètement affolés, et ils m'ont dit, il paraît que Blaise prépare un coup d'État contre toi. Ils étaient le plus sérieusement du monde paniqués. Je leur ai répondu ceci, le jour où vous apprendrez que Blaise prépare un coup d'État contre moi... Le jour où vous apprendrez que Blaise prépare un coup d'État contre moi, ce ne sera pas la peine de chercher à vous y opposer, ou même de me prévenir. Ça voudrait dire que c'est trop tard et que ce sera imparable. Il le connaît tellement de choses souvent que personne ne peut me protéger contre lui s'il voulait s'attaquer à moi. Il a contre moi des armes que vous ignorez même. Donc, s'il prépare un coup d'État, il faut là être vraiment fataliste. Il faut se laisser aller. C'est imparable. Mmh. Mais au fond de vous, vous ne pouvez pas imaginer qu'il puisse préparer. Non. C'est bon d'avoir un homme à qui on puisse dire tout, ou presque tout, en lui laissant le soin de deviner ce que vous n'avez pas eu le courage de lui dire vous-même. C'est bon. Mais c'est rare. C'est très rare. Et ça, et en même temps, c'est douloureux, parce que ça implique chez l'autre une somme d'efforts pour jouer un rôle, être réceptif. Quand à 4h du matin, moi, je dis à Blaise de venir de Pau me voir, il faut que lui, il accepte de passer toute la nuit avec moi jusqu'au petit matin à 6h, 7h. Me détendre, me faire rire, me remettre à flot, et puis que je continue à travailler. Passant des nuits et des nuits et des nuits. Alors, ça signifie que lui, il ne faut même pas qu'il ait un problème. Il faut qu'il vive pour rendre, pour suivre un malade ou je sais pas, enfin, pour veiller. Et ça, c'est pénible. Quand j'y pense, je me dis, mais enfin. Alors, c'est qui lui aussi va s'appuyer fort bien que quelqu'un. Créer l'équilibre. Le pire, c'est qu'on va se plaindre qu'on n'arrive pas à progresser. On va donner la faute à l'autre, à l'Occident. Or que même nous-mêmes, on ne sait même pas être unis. Ça, c'est quelque chose de dur pour nous. C'est ce qui est vraiment dommage. Thomas Sankara, c'était le premier président qui prêchait de manière emphatique le droit de la femme. Il ne prenait pas la femme pour ce que la plupart d'Africains ou la plupart d'Occidentaux le prennent, mais pour un être fort, un être très important dans le monde, dans le pilier de ce monde. Il était contre la victimisation de la femme. Vous voyez par exemple, lorsqu'une femme en Afrique tombe enceinte, qu'on répudie la femme, qu'on dise à la femme comme quoi, voilà, elle a un enfant et tout ça. Lui n'était pas d'accord là-dessus. Lui, c'était d'abord la femme, ok, d'accord, mais aussi... le mec qui l'a mis enceinte, parce que si cette femme est enceinte, elle n'a pas fait ça toute seule, ce qui est vrai. Une chose qui était très intéressante avec Thomas Sankara, c'était le jour de la journée de la femme. La journée de la femme consistait pas à dire « bonne fête ma femme, bonne fête ma chérie », tout le bazar.
la journée de la femme, c'était que l'homme devait aller au marché, faire, acheter la nourriture, faire les courses comme sa femme. Et ça n'avait rien à voir avec des petites fleurs et tous les petits tralala. Thomas Sankara encourageait aussi le sport, ce qui n'est pas le cas ici maintenant avec cette histoire de Covid. Bref, il encourageait aussi les gens à être en bonne santé. Contrairement à ce qu'on voit ici de nos jours, nos dirigeants actuels qui ont, pour moi, excusez-moi, des gros ventres, des grosses bagnoles, la santé, dès qu'il y a un problème, ils sautent directement dans un avion, ils vont en Europe. Thomas Sankara a résisté au néocolonialisme, l'esclavage financier, la dette que le colon dit que l'Afrique a, mais qu'on ne comprend même pas pourquoi. Vous allez écouter le discours. Je crois que c'est le seul homme qui a eu, on va dire, le coronesse de dire les choses en face. Au sujet de l'Alléluia, suivant le président Sankara. Et c'est pourquoi je voudrais proposer, monsieur le président, que nous établissions un barème de sanctions pour les chefs d'État qui ne répondent pas présent à l'appel, faisant en sorte que, par un ensemble de points de bonne conduite, ceux qui viennent régulièrement, comme nous, par exemple, puissent être soutenus dans certains de leurs efforts. Exemple, les projets que nous soumettons à la BAD, la Banque africaine de développement, doivent être affectés d'un coefficient d'africanité. Les moins africains seraient pénalisés. Et comme cela, tout le monde viendra aux réunions ici. Le président du CNR et du FASO aborde maintenant le problème de la dette des pays africains. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le bâillement suffisait à créer le développement chez les autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des montages financiers alléchants, des dossiers. Nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre le peuple pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle. Contrôlée, dominée par l'impérialisme. Une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. On nous dit de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est pas une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi le Premier ministre de Norvège lorsqu'elle est intervenue ici même. Elle a dit, elle qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord,
si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement, ont joué comme dans un casino. Tant qu'ils gagnaient, il y avait plein de débats. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et on parle de crise. Non, monsieur le président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu. La vie continue. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous n'avons pas de quoi payer. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous ne sommes pas responsables de la dette. Nous ne pouvons pas payer la dette parce que, au contraire, les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang. C'est notre sang qui a été versé. On parle du plan Marshall qui a refait l'Europe économique. Mais on ne parle jamais du plan africain qui a permis à l'Europe de faire face aux hordes hitlériennes lorsque leur économie était menacée, leur stabilité était menacée. Qui a sauvé l'Europe? C'est l'Afrique. On en parle très peu. On en parle si peu que nous ne pouvons pas, nous, être complices de ce silence ingrat. Si les autres ne peuvent pas chanter nos louanges, nous avons au moins le devoir de dire que nos pères furent courageux et que nos anciens combattants ont sauvé l'Europe et finalement ont permis au monde de se débarrasser du nazisme. La dette, c'est aussi la conséquence des affrontements. Et lorsque l'on nous parle aujourd'hui de crise économique, on oublie de nous dire que la crise n'est pas venue de façon subite. La crise existe de tout temps. Et elle ira en s'aggravant chaque fois que les masses populaires seront de plus en plus conscientes de leurs droits face aux exploiteurs. Il y a crise aujourd'hui parce que les masses refusent que les richesses soient concentrées entre les mains de quelques individus. Il y a crise parce que quelques individus déposent dans des banques à l'étranger des sommes colossales qui suffiraient à développer l'Afrique. Il y a crise parce que face à ces richesses individuelles que l'on peut nommer, les masses populaires refusent de vivre dans les ghettos, dans les bas quartiers. Il y a crise parce que les peuples partout refusent d'être dans Soweto face à Johannesburg. Il y a donc lutte et l'exacerbation de cette lutte amène les tenants du pouvoir financier à ces... Il faut savoir que malgré que l'Afrique soit un continent extrêmement riche, l'Afrique fait souvent des prêts au FMI ou à la Banque mondiale pour construire ses buildings, ses routes et tout le reste. Thomas Sankara, lui, qu'est-ce qu'il disait? Que l'Afrique, je suis tout à fait d'accord avec lui d'ailleurs, était vraiment et vachement capable de construire ses buildings sans faire des prêts. C'est comme si tu disais, je crois que vous avez compris, un riche ou à, comment dire, à Trump de faire un prêt pour bâtir encore son bâtiment. Mais il a déjà de l'argent pour ça, pourquoi il va faire encore un prêt? L'Afrique a de la thune pour faire tout ça. Pourquoi il va se casser la tête à faire un prêt au FMI? C'est pas pour être esclave de l'argent, esclave de l'Occident? Thomas Sankara a raison, avait raison sur des tas de points. L'Afrique est considérée comme un pays de mendiants qui doit demander. Même lorsque je vois notre image à l'étranger, ici en Belgique, je vois que l'Afrique est vue comme qui apporte des migrants, qui vient demander, voler. Or que l'Afrique est bien plus riche que ça, bien plus riche. Et l'Occident bloque l'Afrique là-dessus. Parce que l'Occident sait très bien que si l'Afrique se libère de ses chaînes, c'est l'Occident qui meurt. Et ils le savent très bien. L'Occident meurt. Il suffit juste de dire à la France de lâcher le franc CFA, il y aura un sacré problème. Un sacré problème. Le Congo ou n'importe quel pays en Afrique peut faire appel à leur propre peuple pour construire des routes, construire des buildings, construire je ne sais même pas quoi.
Ils n'ont pas besoin des Chinois ou des Français ou je ne sais pas qui est-ce pour se développer, pour avoir son autosuffisance soi-même. Les Chinois ne vont pas appeler les Africains pour aller construire leur building. Franchement, ce président a appris franchement l'indépendance mentale et financière à son peuple. Ce qui se passe même pas de nos jours. 4 ans de règne, le Burkina Faso est devenu indépendant du point de vue alimentaire. 4 ans de règne, c'était un progrès. Ce qui faisait très peur à la France. Mieux valait le tuer. Le Burkina Faso était capable de produire sa propre nourriture sans qu'on puisse envoyer des sacs écrire Organisation Mondiale de la Santé. Il n'y avait pas besoin de ça. Ils étaient capables eux-mêmes en 4 ans de faire ça. Si à l'époque ils étaient capables de faire ça, aujourd'hui on est vachement capables. Mais hélas, aujourd'hui, on est tous connectés sur Instagram, TikTok, Facebook, tout le reste. Il a dit à tous les présidents africains que l'Afrique a tout ce qu'il faut pour progresser. On n'a pas besoin d'aller payer une dette qui n'existe même pas. Une dette d'illusion. L'Afrique, c'est vrai, l'Afrique a tout ce qu'il faut pour progresser. Mais il faut toujours qu'on se casse la tête à payer, et voilà. On se retrouve endetté, le pays ne va plus, on ne comprend pas pourquoi. Et ça a été un sacré problème pour la France d'avoir un homme comme ça, jeune, ambitieux, qui est réveillé, qui est éclairé, qui est allumé le cerveau de son peuple. Ça a été un sacré problème. Il fallait un imbécile qui étouffe son peuple. Ça a été un sacré problème pour la France et il fallait absolument le faire disparaître. Parce que si le Burkina Faso se réveille, la Côte d'Ivoire se réveille, ça serait toute l'Afrique. Et si toute l'Afrique se réveille, cette matrice Occident serait complètement foutue. Cette émission touche à sa fin. À tous les nouveaux abonnés, en tout cas comme d'habitude, je vous souhaite la bienvenue et merci d'être abonné à ma chaîne. Et partagez largement cette émission parce que je pense que des tas de gens en ont besoin. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous encore davantage parce que des histoires comme ça, il y en a encore tout plein. Et je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée. Au revoir.